quel métier tu rêves de faire plus tard? Architecte. Et pourquoi ce métier-là? Parce que j'adore dessiner des maisons. Et qu'est-ce qui est bien dans le métier d'architecte? On peut gagner pas mal d'argent. J'aime bien psy. Parce que j'aime bien aider les autres à régler leurs problèmes et les écouter aussi. Quel métier tu voudrais faire plus tard? Youtubeur. Et pourquoi ce métier-là? À chaque fois, je regarde des vidéos et du coup, ça me donne envie de faire des vidéos aussi. Agriculteur, mécanicien, garde forestier, paléontologue. Moi, j'aimerais faire écrivain. J'aimerais bien écrire des textes. Mais quoi, des poésies, des histoires? Des histoires, quelques poésies. Et tu seras une star? Je pense. Footballeur ou chercheur d'or, des trucs comme ça. Moi, plus tard, je veux chercher de l'or et tout avec mon papa en Espagne. Quel métier tu souhaiterais faire plus tard? Inventeur. Et qu'est-ce que tu voudrais inventer? Une voiture qui serait capable de se dégivrer tout seul et des jeux vidéo. Je rêve de faire le métier de pilote de 24 heures. Depuis que je suis petit, j'adore les 24 heures du Mans. À l'inverse, quel métier tu ne voudrais surtout jamais faire? D'être dans le commerce, parce que c'est très très dur. Que se passe-t-il si on travaille trop? Tu continues de travailler, tu deviens de plus en plus fatigué et plus accro, et de plus en plus accro au métier, et du coup ça peut te rendre bizarre. Si on travaille trop, quand on rentre, on est fatigué, on est de mauvais poils. Quand ton enfant il dit quelque chose qui peut te vexer sans le vouloir, tu t'énerves. Est-ce que le travail ça a une influence sur la vie de famille? Oui. De quelle manière? Un petit peu hypnotisant. Quand tu fais trop de travail, à un moment, je pense que tu vas faire que du travail et puis tu vas rien faire d'autre dans ta vie. Et puis voilà. Quand tu restes longtemps dans un travail, après, des fois, tu as de la tension. Si les gens que tu n'aimes pas, ils sont pas gentils ou que tu mets trop de travail, du coup, c'est énervant. Y a des travails qui sont très très durs. Comme président. Ah, c'est dur ça, président? Je sais pas, et tu dois remplir des feuilles, tu vas faire ça. Est-ce que tu es pressé de travailler plus tard? Non. Et pourquoi? Des fois c'est fatigant. Ouais. T'en as un peu marre, t'as mal au bras, t'as mal aux jambes. Est-ce que tu es pressé, impatient de pouvoir travailler? Non. Pourquoi? Parce que j'aime bien être enfant, moi. Est-ce que tu es impatient de pouvoir travailler? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est bien pour la santé. Avoir un métier comme ça, ça me donne de la joie. Ça me rend heureux. Tu es impatiente de pouvoir travailler? Oui. Et pourquoi? Pour amener de l'argent, pour acheter tout ce qu'il faut plus tard pour mes enfants. Au moins, j'aurai plus besoin d'aller à l'école. Comment le monde du travail va-t-il évoluer dans les 20 prochaines années? Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes qui travailleront. Ils seront un petit peu feignants, on fera un petit peu rien. Il va y avoir des machines qui vont nous remplacer, on va rien faire. Et puis, on va rester couché dans notre canapé et puis rien faire. Il y aura plus, je pense, de robots. Il y aura moins d'humains qui travailleront. Et on fera quoi, là? On réglera les robots et on attendra que ça se termine. On travaillera moins. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on travaille trop aujourd'hui. Et toi, si tu étais ministre du Travail, tu ferais quoi? J'augmenterais les salaires, je créerais des nouveaux postes. Par exemple, il y a des endroits où les postes manquent et en plus, ils sont supprimés. Donc, je recréerais des postes et j'aiderais aussi ceux qui ne trouvent pas de travail. En fait, je t'imagine carrément ministre du Travail. Pas toi? J'hésite aussi entre président également. Ah, pourquoi pas? Tu nous signeras des autographes, hein? Et tu augmenteras les salaires, hein? Si, je le suis. Mais promis, hein? On verra qu'est-ce que j'aurai choisi.